première année collège et première année dans l'école Admira. Bonjour, je m'appelle Zaraxa. J'ai 13 ans. J'ai étudié en cours scolaire libéral. Je suis en première année collège, en cours scolaire libéral. J'avais 9 ans quand je suis en cours scolaire libéral. Je suis Doua Ouba, j'ai 12 ans. Je suis en première année collège. J'ai débuté l'étude dans cette école depuis la 4e année primaire. Bonjour, je m'appelle Raya Boudoubel. J'ai 13 ans. Je suis un étudiant de première année collégiale. Je suis à Al-Mi'al depuis le maternel, ça fait 10 ans. Je m'appelle Ibn Hajj, j'ai 13 ans, je suis en première année collège et ça fait 9 ans que j'étudie à l'école Al-Mi'al. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je m'appelle Aslah Nouraï. J'ai 13 ans, je suis dans la première année. Je suis dans le groupe scolaire à Al-Mi'al depuis 7 ans. Bonjour, je m'appelle Messa Al-Haji. J'ai 13 ans, je suis en première année collège. Je suis à l'école Al-Mi'al depuis la maternelle. J'ai aimé cette dernière année car il y a des bons profs, bons camarades. Même s'ils ont rassemblé les classes à la fin de l'année, cette année est un peu difficile car c'est le premier accès, même si on a répété quelques cours de l'année dernière. Concernant cette année, c'était très différent car à cause du Covid, on était confinés. Donc on a étudié à distance au début de l'année. Et quand nous sommes revenus pour étudier présentiel, chacun assis tout seul, et on garde la distanciation entre les élèves, on met les masques, mais malgré tout ça, c'était une année parfaite, car j'ai fait beaucoup de connaissances. La dernière année, c'était agréable, car on avait beaucoup d'activités comme les compétitions et aussi des projets et du sport. Avec nos maîtres et nos maîtresses, on est plus que contents et j'ai rencontré des nouveaux amis. La dernière année, c'était une année amusante, car on a fait des choses différentes que les années précédentes, puisqu'il y avait le confinement. Ma première année collège, je me suis fait des amitiés, j'ai rencontré de nouveaux profs, de nouvelles disciplines. Le démarrage de l'année scolaire n'a pas été évident, avec beaucoup de matières introduites dans le programme. Je confrontais pas mal de difficultés que j'ai dû surmonter, par la détermination et aussi le soutien et l'appui de mes profs. Concernant cette année, c'était un petit peu différent, chacun assis tout seul et on met toujours les masques. Au début de l'année, c'était un apprentissage à distance, mais malgré tout ça, c'était une année parfaite car j'ai rencontré de nouveaux amis. J'ai passé mon dernier année dans l'école Al-Mi'al. Elle est pleine des activités, des surprises, etc. J'aime trop. Cette année a été extraordinaire car j'ai changé mon école vers l'école Al-Mi'al. Depuis les premières semaines, il était un peu difficile quand j'étais un nouveau élève. Mais avec le temps, j'ai beaucoup d'amis qui sont maintenant comme mes frères. Avec beaucoup de choses de bien et de choses de mauvaises. Premièrement, on commence avec des choses de bien. L'année dernière, on a bien étudié avec notre professeur et notre amis. Et pour les choses de mauvaises, il n'y a pas beaucoup de choses de mauvaises, sauf que le sport. Mais dernièrement, on a le rattrapé et on a fait le sport. L'année était très belle car j'ai rencontré beaucoup d'amis et j'ai aimé tous les professeurs qui viennent travailler avec tous les élèves. Des bonnes notes et un bon vocabulaire. Les choses que j'ai appréciées dans cette école, que les professeurs t'aident beaucoup avec du respect et c'est une super école. Et pour l'école MM, j'aime les professeurs car ils sont très sympas et adorables. J'apprécie la manière dont laquelle ils nous traitent et les professeurs qu'on vient de rencontrer cette année. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans mon école. Il y a les meilleurs professeurs et des bonnes méthodes d'explication. Et aussi, ils font tous leurs efforts pour qu'on puisse bien étudier. Les choses que j'apprécie dans cette école sont beaucoup, comme voir mes amis, écouter au cours et aussi l'explication des profs. J'apprécie les activités, les sorties et beaucoup d'autres choses. Les choses que je me précise en grosse galerie, hein, que je vais passer les séances français et faire des activités. J'ai apprécié l'engagement et la rigueur du staff pédagogique et éducatif, ainsi que la bonne ambiance. En première année de primaire au début de l'année, j'ai entré à la classe en baissant ma tête. Ils étaient en train d'étudier les alphabets. Lorsque mon tour est venu, j'étais très timide. Quand j'ai passé à le tableau, j'ai rien à l'air. Après, elle m'a placé dans le premier rang.
Et pour ma petite anecdote qui s'est passée à l'école MIM, c'était le jour où je suis tombée devant tout le monde. Je me rappelle très bien, tout le monde a éclaté de rire, c'était vraiment très drôle. Mon petit anecdote, c'est un jour que je prends un insecte plastique et je promets mes amis. Ma copine Sarah, elle est très peur de ça et presque pleurait. Mais madame Ima, elle est en colère. J'étais très désolée après ça. Dans ma quatrième année, c'était la première fois que je sortais sans mes parents. Quand j'étais en CP, on avait un cours, puis la maîtresse a remarqué qu'il y avait de l'eau qui coule sur la porte. Et après, ils ont dit que le rez-de-chaussée a été inondé. C'est pour cette raison que le staff pédagogique et administratif se sont mobilisés pour évacuer le rez-de-chaussée et ils nous ont rassemblés dans une salle. J'étais à la séance du sport. J'étais en train de courir et je suis tombée. J'avais un peu de mal, mais après deux jours, j'étais bien. Ma matière préférée, c'est les maths, car j'aime la stratégie de l'explication de Monsieur Prêt. Ma matière préférée, c'est le français, car Madame Imen est une professeure très gentille et toute la classe l'aime, puisqu'il nous laisse aimer sa matière. Depuis 7 ans, j'aime beaucoup le maths. J'adore le maths. Tous ces professeurs sont gentils, même s'il est un peu difficile cette année. Ma matière préférée est physique chimie. Moi, j'aime les mathématiques car j'aimerais bien être un ingénieur de maths. Pendant les dernières années, on a bien étudié les maths chez M. Farah. Dans le gros scolaire européen, ma matière préférée, c'est le français. Pour moi, le français, c'est une belle chose de passer la séance de français avec Mme Imen Mouadi et M. Brahim. Ma matière préférée, c'est le français, car il est très facile. Il est très facile. La maîtresse de français nous a fait beaucoup de projets et des compétitions. On a fait aussi des jeux comme le jeu de Ni Oui Ni Non. Ma matière préférée est le physique car j'aime Madame Soumaya et j'adore sa matière de l'explication et des expériences. Ma matière préférée est le français car le français c'est ma langue préférée et aussi par rapport aux efforts fournis par notre corps pédagogique qui vise à améliorer notre niveau en français. Ma meilleure matière c'est l'histoire. Quand il parle du passé, j'aime les histoires de cette matière. Et son frère et son professeur, c'est M. Hamzat Dahdouf. Et c'est mon meilleur prof. Car il joue avec nous, il nous raconte des histoires du passé et j'aime sa meilleure explication des mots. Car dans la séance, on joue, on rigole et plus de ça, tous les élèves comprennent la leçon et ramènent des bonnes notes. Je me souviens très bien, c'était ma première fois d'exposer un projet devant un public. J'ai senti de l'angoisse d'être jugée par le reste de classe, mais ça s'est bien passé. Cette année, j'ai fait une bonne exposée avec Hamza. Toute la classe était fière de nous. J'étais comme un poisson dans l'eau, c'est une journée inoubliable. Mon meilleur souvenir, un jour, on a fait moi et ma meilleure amie un projet d'une histoire. Et la surprise que cette histoire est écrite par nous. Meilleur souvenir, c'est la première fois que je suis venue à l'école. C'était un jour spécial. J'étais très timide, j'avais de la peur. Je croyais que les professeurs sont des sorciers, mais tout ça c'était seulement dans ma tête. Pour mon meilleur souvenir, il était le jour de la même histoire. Tant après que j'ai pris ma feuille, j'étais sûre que Camarade a été la première note de classe. Mes meilleurs souvenirs, ce sont les moments qu'on a passés en train. Mon meilleur souvenir dans l'école est dans ma sixième année primaire, lorsque ma maîtresse de français a aimé mon nom. Mon meilleur souvenir à l'école UR1, que nous faisons beaucoup de nos activités et aussi des sorties comme la sortie en parc. Mon meilleur souvenir, c'est l'année dernière, quand j'étais triste, car j'ai pensé que j'ai eu une mauvaise note, mais j'ai eu 19,25. J'ai beaucoup de projets pour le futur, comme l'environnement, l'alimentation et la santé, et la musique, etc. Mes projets du futur sont être un policier, multiplier les efforts à l'école LUM et faire l'école de police. J'ai beaucoup de projets pour les faire dans le groupe scolaire UR1, comme parler des enfants qui n'ont pas de parents, mais aussi de parler sur l'environnement, etc. Quand je serai grand, j'espère avoir une marque de voiture de luxe.
Mon projet pour le futur, c'est une refuge pour les animaux.